Il y a de l'ambiance là sur le départ. Allez Arnaud. C'est une des courses organisées par les Templiers. 52 km, 2900 mètres de dénivelé. J'avais couru il y a quelques années la Mona Lisa, une course plus courte de 36 km. Je vous invite à aller voir. Et là, on est parti pour une bonne journée de course. Ça promet d'être sympa, souvent technique. Et on va voir ça et on va en profiter. Bon, 5ème kilomètre, là c'est la partie roulante, t'as 2 km de bitume au départ qui permet d'étirer le peloton, donc c'est pas mal. Et après on a des chemins qui permettent encore d'étirer le peloton avant d'attaquer vraiment la montée, ici 1 km ou 2. Oh putain, tu m'as fait flipper toi. Bon, on est à la première descente et on est sur la partie la plus roulante. Et finalement c'est déjà bien casse-gueule, comme vous avez pu voir juste avant. Et faut être vigilant quoi, bien concentré, pas trop de regarder le paysage. On regarde où on met les pieds. Même s'il n'a pas plu, il y a une petite rosée matinale qui a plus le passage des coureurs précédents, qui a humidifié les rochers. Et du coup ça glisse pas mal. Bon, après il y a des parties sentiers un peu plus terre qui permettent d'avancer un peu, mais c'est vrai que sur la roche, si on glisse, ça peut faire des dégâts. Merci. C'est bien. Allez. Hey, vous êtes bien là. Ah, c'est sympa, il y a des gens qui viennent encourager, merci. C'est sympa. Je pense que c'est sympa quand il y a des gens qui se déplacent pour s'encourager, pour encourager les coureurs. C'est sympa. Premier ravito, 13ème kilomètre. Merci. Alors regardez, c'est sympa. Merci. Bon, c'est un trail qui se court quand même pas mal. Dans le sens où on a des montées assez abruptes, des descentes assez techniques, et puis entre deux, on a le plateau sur lequel on court, qui est assez plat. Voilà, des petits tacus, mais il faut quand même courir quoi. Donc c'est ça qui peut être assez éprouvant, c'est les variations d'allure et de terrain. Voilà. Bon là, c'est pas la partie de parcours la plus belle, on va dire. Même si on est dans les bois. Ce sera sur la seconde moitié de parcours, on verra ça. Bon, 25 km, on est presque à la moitié. Alors on dirait pas comme ça, mais il fait lourd.
Alors autant la semaine dernière sur le semi de Cracovie, ben, il était super chaud, je transpirais comme un malade. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'il fait chaud, c'est que c'est chargé en humidité et là je transpire vachement. Et du coup, ça fatigue pas mal. Donc là on va commencer à entrer dans la partie technique du parcours. On va voir ce que ça donne. Là pour le moment, c'est encore un peu roulant. Voilà. Il n'y a pas grand monde, hein. Ça c'est bien, bien écarté entre les coureurs. Ça joue yo-yo. C'est joli hein. C'est casse-pattes là. Là j'avoue, on n'est pas encore au 30e kilomètre. Ça commence à bien tirer dans les jambes. Enfin pour ma part. Du coup je gère un peu là. Parce que là, avec la technicité du parcours, on prend pas mal d'énergie. Et du coup, le but c'est quand même de finir pas trop mal. C'est joli là, la couleur. Là, les arbres, c'est sympa. On vient de faire une montée là, mais elle m'a séché. Un truc, m'accrocher à la paroi avec les mains. Ouh, je pouvais même pas filmer. Ça m'a bien tué. 30e kilomètre. Il reste encore pas mal. Encore 22 km. Et les jambes commencent déjà à pâtir un peu de. De tout ce parcours. Donc là j'essaie de récupérer pour pouvoir relancer après. Ah, y a des gens qui se trouvent des bons coins pour se positionner sur le parcours. Ah, c'est sympa là. Ah, bon. 23 ou 24? Bon courage. 52. Ok, merci. Oh la vache. Trop beau. J'arrive en haut de la dernière côte. Il y a encore un tape-cul quand même, c'est un petit raidillon, mais on va dire que les grosses difficultés sont derrière. Bon, il reste quand même encore allez 11 bornes. J'ai des crampes de partout, donc va falloir gérer ça jusqu'à l'arrivée. Bon, je suis pas le seul dans ce cas là, il y en a pas mal qui souffrent. Donc parfois il y a des gars qui sont mieux que moi, qui me doublent. Puis je double des gars qui sont dans le dur aussi. Hein. Voilà. Et c'est beau. Ah, la vue est magnifique. Ça c'est sympa. Ah ouais, ça y est là, il y a du bruit, il y a des gens, ça y est. Allez, allez, oh, c'est pas l'arrivée. Merci.
Ah, il y a du monde là. Oh putain. Ah la vache. Oh non, je suis crampé depuis 10 km. Ah la vache. Il y a Yann qui est déjà levé. Ah, c'est le ravito guet-apens. Par contre, il y a du monde. Ah, c'est bien. Merci. Ouais, merci. Merci, merci. Ah, super. Merci, merci. Ah, il y a une bonne ambiance. Hein. C'est cool. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça booste. Ça vaut un ravito. Hop. Petit ravito. Champêtre. Merci. Merci, merci. Vous êtes bien là, vous? Mais le dossard devant, s'il vous plaît. Ouais, ouais, mais c'est. Ah putain. Ici, au cas où il y en a, je vous donne. Oh putain, regardez. Un touriste. Tu vas bien? Non, je suis crampé depuis 10 bornes, j'en peux plus. Un peu de coca ou de la ceinture? C'était bien sympa de voir les copains là au dernier ravito, ça booste. Bon, ça n'efface pas les crampes. Ah, les jambes là sont raides comme des piquets, il reste moins de 6 bornes. Une dernière montée, après on redescend vers l'arrivée pour le sprint final. Le sprint façon de parler. Hein. Ah, les jambes sont cramées. Mais on a la chance, on a le soleil avec la vue sur Millau. C'est bien sympa. Petit single. Voilà la dernière petite montée. On est tous HS. Oh, putain. Voilà, et on paye pour ça. On est mazou. Bon, j'ai rangé la caméra et je vais utiliser mes mains, sinon je serai le gadin. Et là, c'est la dernière ligne droite, donc c'est super roulant, c'est bien. Là, on a la caillasse de quelle caillasse là. En descente, c'est pratique. Ah là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Oh, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Ça faisait longtemps que j'ai pas été frais comme ça. Quoi. Oh, avec les cuisses qui se contractent n'importe comment là avec les crampes. Mais là, c'est l'arrivée. Allez. Je sais pas combien de kilomètres il reste. Je sais pas, je sais plus du tout où je suis. Je suis out. Mais bon, on entend le speaker d'arriver, donc on doit pas être loin. Après, il y a les échos tout le temps hein, qui jouent. Hein. Mais là, je pense qu'on est juste au-dessus de l'arrivée, donc ça va. Là, je suis vraiment tout seul, je me suis fait doubler. Je me suis planté à un moment, du coup, je me suis fait doubler, ça me saoule. Bon, voilà, erreur d'attention. Merci. Merci. C'est calme, dis donc, là, vous dormez? Allez, derrière ligne droite là. Allez, allez, allez.
enculé. Allez, marathon. Et à marathon des grosses, on va citer le marathon des grosses parce que donc, dans on y est. Marathon des grosses, oh la vache. Sur 37-38 km. 17ème pour Benjamin Langlois. Il s'étale par terre. Ça y est. Allez, reste pas trop par terre, alors. Benjamin, parce que ça arrive derrière après. Bon, on y est. La chaussure à l'accueil. Yeah, bravo l'ami. Ça va ? Toi, tu fais un ultra là ce week-end. Ah oui, l'ultra de l'animation. Voilà. Eh ben, je suis mort. Bon, on va pouvoir aller chercher la médaille. Alors, Johan Paulet. Alors là, la partie la plus difficile. C'est moi qui m'a gagné. Alors là, la première ligne à l'intérieur. Merci de votre temps. Julie Chavanne. Bon, bah, juste après la remise des médailles, en fait, je me suis allongé par terre, je me suis écroulé. Et puis quand j'ai voulu me relever, c'était juste impossible. J'avais des crampes, mais partout. Sur les jambes, je pouvais pas faire un mouvement sans que ça se déclenche. J'ai dû, je sais pas, rester une dizaine de minutes par terre. Finalement, j'ai demandé à un bénévole de me relever parce que je pouvais pas le faire tout seul. Et après, j'étais complètement out. Je suis filé sous la douche et je me suis allongé, complètement écroulé. Bon, ça a été dur, ça c'est sûr. C'est une course qui demande de l'engagement parce que, bah, comme vous l'avez vu, hein, c'est ça monte assez, de manière assez raide. Il y a des plateaux où on va courir assez vite pour pas perdre trop de temps. Et puis juste après, ça va redescendre de manière assez abrupte. Alors moi qui aime bien descendre habituellement, là j'avoue que bah, d'une part avec les crampes et puis aussi avec cette caillasse qui bouge en permanence sous pied, ça rend vraiment le terrain assez instable et c'est assez dur de courir. Et surtout si on veut éviter au minimum de se prendre une gamelle. Mais c'est une course magnifique avec vraiment de superbes paysages et franchement ça vaut le coup, ça vaut le coup de se rendre sur ce Festival des Templiers. Il y a plein de formats de courses, il y a 14 courses je crois, pour les enfants, pour les femmes et puis je crois que le plus long c'est dans les 110 km à peu près. Donc il y a de quoi répondre aux attentes de chacun des trailers, quel que soit son niveau de forme ou son niveau tout simplement. Après, bah là, pour cette édition, bah, le festival a dû annuler le Grand Trail des Templiers à cause de la météo. Alors c'est vrai que quand on se prépare à une course comme celle-là, c'est un grand rendez-vous en France. Et forcément, on a envie de s'y préparer, on engage des frais, on engage aussi du temps, on passe un week-end en déplacement, etc. Et quand ben, la veille, on annonce que ben, la course elle aura pas lieu, ça peut effectivement ben, créer un sentiment de désespoir, d'incompréhension aussi de la part par rapport aux organisateurs. Mais bon, je pense que les organisateurs aussi, quand ils organisent une course, ils n'ont pas envie de l'annuler. Et je pense que là, la météo était vraiment très mauvaise et que l'annulation était la meilleure des choses. D'ailleurs, moi, j'avais des potes qui devaient courir ce dimanche. Et ben on va plutôt voir la vidéo, c'est Vincent, Emma et Simon qui sont partis quand même faire un petit tour. Ils se sont dit, tiens, on va juste enfiler l'imperméable et on va aller courir un peu histoire de se défouler les jambes. Ben je vous laisse voir la vidéo. Allez, YouTube. Ouais, il fait super beau, il n'y a pas de vent du tout, il pleut pas. C'est bien. Et du coup, on va peut-être se faire le Templier en off. Ouais, on va mourir ouais. Surtout. Non, en fait, on voulait monter à Punch là-haut et puis on s'est dit non, c'est dangereux en fait. Il y avait un vent super fort et puis il y avait un mec mort sur le sentier. Donc, Il y a eu un éclair. Putain. Bah voilà. Là, faut des âges, j'ai super peur. Bon, vous comprenez pourquoi c'était annulé en fait. Ça a pété non. Là. Ah non, j'ai peur. Vas-y, on descend. Il est à 500 mètres là, il y a eu une seconde ou deux, même pas. Vas-y, on descend, mais je vais pas mourir ici. Et on va peut-être mourir donc. Non, arrête. Bisous tout le monde. Vas-y, Donc voilà, hein, quand on voit que l'organisation annule une course pour des raisons météo, eh ben.
on sait pourquoi, hein, l'orage, le vent, ça mettait en danger les coureurs. Alors il y en a qui sont un peu plus aguerris que d'autres, mais il faut pas oublier qu'une course, ben, il y a différents niveaux, il y a différents niveaux de forme, et que ben, l'organisateur il s'engage ben, à ce que chacun des trailers sur la course finisse dans les meilleures conditions, et s'il peut limiter la casse, il le fera, et c'est pas pour déplaire aux trailers, hein, c'est vraiment pour la sécurité de tous. Voilà, bon bah du coup il va falloir se donner le rendez-vous l'année prochaine ben, pour découvrir ce grand trail des Templiers, avec une météo plus clémente j'espère, et puis moi je vous dis à très bientôt. Alors la prochaine vidéo, ben, je vous laisse découvrir, abonnez-vous, et puis à très bientôt, et bonne course les trailers et les runners.